Même d'avoir des reproches. Une fois le cadre fini. J'ai des montages. De la République. Les électeurs auront-ils suivi les consignes de vote données par les candidats éliminés au premier tour? Qu'ont fait les 13 millions d'abstentionnistes du 10 avril? Les indécis se sont-ils mobilisés? Après 8 présidents, Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à entrer à l'Élysée? Comme François Mitterrand et Jacques Chirac, Emmanuel Macron sera-t-il réélu pour un second mandat? Qui flottent. Des milliers de militants sont présents ce soir ici sur le Champ de Mars avec en fond la Tour Eiffel. Emmanuel Macron, premier président réélu de la 5e République en cohabitation. Après, wow. On l'attendait. Qu'est-ce que vous voulez? Macron est réélu. On en a pour 5 ans encore. Voilà, les Français vont continuer à manifester. On reste encore, il n'y a aucun changement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'arrive même pas à y croire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fait cette fois-ci? Je ne sais pas. Encore la peur du Front National, du RN, la peur de Marine Le Pen, je ne peux pas vous dire. Très franchement, je ne comprends pas la campagne de Macron, son programme, alors que Marine Le Pen, il était béton, et je suis déçue, je suis vraiment déçue. Merci beaucoup. C'est vrai qu'elle est première dans les Outre-mer. Peut-être que ça, voilà. Je suis contente. C'est mon lot de consolation. Oui. Je suis vraiment déçue. Très franchement. Est-ce qu'elle est encore légitime, Marine Le Pen, pour mener les prochaines batailles, ou est-ce qu'il faut qu'elle passe la main? On ne sait pas, je ne sais pas. Je suis sur l'émotion encore, je ne peux pas vous répondre. Très franchement, je ne m'y attendais pas. À Marine? Ah non, à Macron. J'en veux à Macron. Pourquoi? Parce qu'on continue avec son mandat et qui n'avait pas fonctionné depuis 5 ans. Et on continue, je ne comprends pas. Vraiment, je suis déçue.
et que vous souhaitez que Marine Le Pen mène? Bah, les législatives, pour que nous soyons majoritaires présents à l'Assemblée nationale. Voilà, beaucoup plus de députés. Voilà. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Michel Timotte. Bonjour monsieur, nous venons d'apprendre la défaite de Marine Le Pen avec un score honorable, on peut le dire. L'écart est bien moindre qu'il y a 5 ans. Tout d'abord, vous venez d'où, monsieur? Je viens de la Guadeloupe. Et en Guadeloupe, nous avons voté à 70% pour Marine Le Pen. Alors, quel est votre sentiment ce soir, monsieur? Ce soir, c'est la victoire de la finance. C'est la victoire de la fin de l'administration française. Ce soir, c'est la victoire contre le peuple français, monsieur. Comment voyez-vous les 5 ans qui se profilent avec de nouveau Emmanuel Macron? Un président qui, pendant 5 ans, nous a méprisés, il revient encore 5 ans. J'espère qu'on aura le courage de tenir 5 ans de plus. Que va devenir le Rassemblement National? On en parle ce soir. Est-ce que pour vous, Marine Le Pen est toujours légitime pour assurer les combats qui se présentent, tout d'abord les législatives et puis les autres échéances qui vont forcément arriver? Nous croyons en Marine Le Pen pour relever ce pays, monsieur. Donc nous irons vers les législatives. Dans mon département, la Guadeloupe, nous avons donné 70% à Marine Le Pen parce que nous voulons une France forte, monsieur. Donc vous resterez motivé? Oui, nous sommes positifs pour la suite. Faut-il un rassemblement entre les équipes d'Éric Zemmour et Marine Le Pen pour les législatives? Seule Marine Le Pen pourra vous répondre sur cela, monsieur. Le résultat me convient, oui et non. Oui, parce que je ne voulais pas que Marine Le Pen dépasse. Non, parce que de base, je n'ai pas non plus pour Macron. Donc, on va dire que c'est un mal qu'on revient. Monsieur, bonsoir. Nous venons d'apprendre les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen qui fait un bien meilleur score qu'en 2017, mais malgré tout derrière Emmanuel Macron. Votre sentiment? Comparé au 2017, c'est bien meilleur. Et le sentiment, un peu déçu quand même, car on avait des sondages quand même qui montraient une bien meilleure image à des 48 et même parfois Marine gagnante. Alors c'est quand même une déception. Et on a un sentiment mais quand même de confiance parce qu'on a les législatives bientôt. On a un camp national qui a fait un bon score, un très bon score. Et tout est prometteur pour les législatives, et encore mieux dans 5 ans. Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrive à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui, par millions, nous ont rejoints au second. Les remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes, mais également d'outre-mer. Ils m'ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m'honore et me touche sincèrement. Cette France trop oubliée, nous ne l'oublions pas. Déterminés, nous le sommes plus que jamais. Et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été 1000 fois. Et 1000 fois, l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard, qu'ils ne peuvent ignorer, et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat,
face aux atteintes aux libertés, face à la remise en cause de nos services publics et de notre système social, face au recul promis par Emmanuel Macron de l'âge de la retraite, face à l'insécurité, à l'immigration anarchique et au laxisme judiciaire. En effet, je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français. Des partis autrefois dominants et l'affirmation face aux élites autoproclamées d'Emmanuel Macron du courant national comme véritable opposition. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Avec le mode de scrutin législatif qui renforce les tendances politiques et, on le sait, fausse la représentativité parlementaire, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. C'est une perspective qu'aucun patriote, qu'aucun démocrate ne peut accepter, tant le projet d'Emmanuel Macron sur le régalien ou le social reste clivant et pour la France destructeur. Face à ceux qui prétendent demain être l'opposition à Emmanuel Macron et qui ont pourtant contribué à le réélire, nous serons ceux... avec une sincérité intacte, ne transigeront pas avec vos intérêts. Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Oui. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Le Rassemblement National œuvrera à unir tous ceux d'où qu'ils viennent qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre la politique d'Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout et donc dans votre circonscription, en métropole, en Outre-mer et dans les circonscriptions de l'étranger. Je vous invite d'ores et déjà à les appuyer de toutes vos forces et dès le 12 juin à voter pour eux. Rappelez-vous mes amis, qu'il n'y a pas de fatalité quand les Français déjouent les pronostics, continuent de garder espoir et nous donnent les moyens de les défendre. Le score historique de ce soir place notre camp dans d'excellentes dispositions pour obtenir un grand nombre de députés en juin prochain. La passion de l'avenir qui nous anime, nous voulons la mettre au service de la plus belle ambition qui soit, de la seule ambition qui vaille et que je suis sûr vous partagez avec nous, la France. Ce soir...
un score important de Marine Le Pen, malgré tout pas suffisant pour remporter le second tour de la présidentielle. Votre analyse à chaud ? D'abord, c'est une immense déception parce qu'on a fait une excellente campagne. Marine a été vraiment extraordinaire et tout le monde reconnaissait qu'elle n'a pas fait d'erreur et on avait un bon programme. Après, on a vu ce que c'était que, j'ai envie de vous dire, le poids du système. Parce que pendant 15 jours, on nous a expliqué que le monde entier s'écroulait si jamais Marine Le Pen était élue. On a vu les soutiens internationaux qui appelaient tous à voter pour Macron, dont votre chancelière, votre chancelier et puis dont la présidente de la Commission. Non, donc on est un peu déçus et puis on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les Français n'aient pas peur ? Voilà, c'est tout. Je constate que les Hongrois n'ont pas peur et qu'ils s'en félicitent. Eh bien, pourquoi les Français n'ont pas le même courage ? Marine Le Pen a ouvert toutes grandes les portes des législatives à venir. C'est un enjeu crucial pour vous ? C'est un enjeu crucial surtout pour la France, parce que vous le savez, le système français fait que si le président n'a pas de majorité à l'Assemblée, on se retrouve en cohabitation. C'est ce qui était arrivé pour le second mandat de Mitterrand et ce qui était arrivé aussi pour le deuxième mandat de Jacques Chirac. Et donc, en réalité, tout va se jouer. Vous savez, c'est comme un, j'ai envie de vous dire, c'est un match de foot, quoi. Si on veut, être maître du gouvernement, il faut gagner les demi-temps. Et donc, ce deuxième match des législatives, Marine Le Pen entend bien le mener, avec tous ceux qui le voudront bien, et en se disant que les Français n'ont peut-être pas envie, je l'espère, de donner les pleins pouvoirs à M. Macron pour 5 ans sans aucune retenue. Faut-il se rapprocher des gens de Reconquête pour cela ? Mais les gens de Reconquête sont les bienvenus. Je veux dire, il faut se rapprocher de tous ceux qui partagent les mêmes opinions. Aujourd'hui, on a deux blocs. On a effectivement le bloc autour de Macron et puis le bloc autour de Marine Le Pen. Et le problème n'est pas de savoir si on est de Reconquête ou du Rassemblement National. Le problème est de savoir si tout simplement on partage la même vision de la France, le même choix d'une France indépendante. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, vous avez un troisième candidat qui était Monsieur Mélenchon. Pendant 5 ans, il nous a expliqué que c'était l'opposant le plus dur à M. Macron. Ce soir, ce n'est pas le premier opposant, c'est le premier collabo qui a permis son élection, puisqu'en réalité, n'osant pas appeler clairement à voter contre Macron, eh bien, si demain la retraite est à 65 ans, il peut dire à ses électeurs que c'est grâce à lui. Donc je pense qu'il est désormais disqualifié pour s'occuper des législatives. Alors justement, les militants de l'Union populaire verraient bien Jean-Luc Mélenchon Premier ministre dans quelques semaines. Est-ce que dans le même esprit, vous verriez bien Marine Le Pen ? Est-ce que vous pensez crédible de voir Marine Le Pen, Première ministre de cohabitation d'Emmanuel Macron ? Si on est en majoritaire, c'est logique que dans ce cas-là, elle soit Premier ministre. Mais Premier ministre avec un programme différent. Pas Premier ministre comme l'envisageait peut-être à un moment Mme Pécresse pour faire le programme de M. Macron. Premier ministre pour faire un programme pour redresser la France et retrouver sa souveraineté. Merci. Une toute dernière question, M. Mariani, j'abuse. Il circule beaucoup dans les rédactions depuis quelques heures qu'Emmanuel Macron serait tenté dans les prochaines heures de dissoudre l'Assemblée nationale pour précipiter les législatives afin de surfer sur cette victoire et d'éviter que soit le camp de Jean-Luc Mélenchon ou celui de Marine Le Pen puisse gagner des voix dans les semaines qui nous précèdent cette élection. Est-ce que vous y croyez tout simplement ? Ben, je ne crois pas à ça, j'en suis sûr. Parce que tout simplement... Non mais moi j'en suis sûr, je l'ai dit. Parce que tout simplement... Vous savez, il vaut mieux que les Français se réveillent le plus tard possible. Donc au plus vite il arrivera à faire ses législatives, au plus vite il a une chance de passer avant que les Français se réveillent. Et puis il y a quelque chose que tout le monde oublie. Aujourd'hui, les Français n'ont pas encore vu le coût des sanctions que nous avons pris, notamment sur les questions énergétiques et du gaz. Parce que les délais font que ces sanctions vont commencer réellement à peser dans quelques semaines. Les carburants sont plus chers aujourd'hui, ce n'est pas du tout à cause des sanctions qu'on a décidées. C'est à cause tout simplement du marché et de l'inflation. Donc je pense que M. Macron veut vite faire une élection pour éviter que les Français voient les conséquences de ses choix. Merci. Monsieur, bonsoir. Marine Le Pen battue au second tour de l'élection présidentielle avec un score beaucoup plus fort qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ?
que c'est à la fois une victoire pour le Rassemblement National quand même, parce que vu le score, mais que c'est une victoire irrationnelle d'Emmanuel Macron. C'est complètement irrationnel, parce qu'en réalité, quand vous posez des questions, même par sondage aux gens, sur tel ou tel point du programme, ils sont majoritairement d'accord, et en fait ils ont voté contre leurs propres idées, par peur. Voilà. Marine Le Pen a lancé la campagne des législatives. Elle est toujours pour vous légitime en tant que tête de file du Rassemblement National, de cette partie de la droite nationale, pour mener ce combat? Y a-t-il quelqu'un de mieux placé que Marine Le Pen? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Certains vous répondront, Éric Zemmour. Bah, Éric Zemmour, il a fait combien? Combien de divisions, comme disait Staline? Éric Zemmour, il est tout à fait à sa place, il est légitime. Mais Éric Zemmour ne peut pas donner des leçons de victoire politique à Marine Le Pen. Éric Zemmour reste un excellent polémiste, un excellent journaliste, mais ce n'est pas un politique. Alors, on espère que ça se passera bien dans le futur avec lui, mais il ne va quand même pas nous donner des leçons de victoire. Quand Éric Zemmour fera 43% au présidentiel, peut-être qu'il pourra dire quelque chose, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Justement, faut-il un rapprochement entre le RN et Reconquête pour avoir un poids plus important pour la législative? Il faut un rapprochement de tous les patriotes et de tous les gens qui ont la fibre sociale. Voilà. Ce qui manque peut-être d'ailleurs Éric Zemmour, la fibre sociale. Mais il faut un rapprochement de tous les patriotes pour battre le système Macron. Voilà. Il se dit beaucoup depuis quelques jours que Emmanuel Macron, vainqueur de la présidentielle, donc ce soir, pourrait dissoudre l'Assemblée nationale très rapidement, peut-être dans les heures qui viennent, pour surfer sur cette victoire et tenter d'obtenir très rapidement une majorité à l'Assemblée nationale, donc ne pas laisser le camp de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen s'organiser. Est-ce que pour vous ça paraît crédible? Monsieur Mariani nous l'a confirmé. Hein. Mais écoutez-moi, si j'étais Emmanuel Macron, c'est exactement ce que j'aurais fait. Parce que dans 2 mois, tout le monde détestera Emmanuel Macron. Voilà. Donc vous ne trouverez plus personne qui a voté Emmanuel Macron. Ils vont... Dans le mouvement, il peut encore essayer d'avoir une majorité. Ouais, donc il a raison, tactiquement, de le faire, oui. Les militants de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon, le verraient bien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Vous verriez bien Marine Le Pen, Première ministre de cohabitation d'Emmanuel Macron également? Personnellement, je ne suis pas très partisan de la cohabitation. Je pense que c'est contraire au principe même de la Ve République. Donc, c'est le pouvoir législatif au bout des doigts, tout de même. Oui, mais c'est un truc qui a été apporté par Balladur. Hein. Moi, j'ai beau chercher... En fait, si vous avez une majorité contre vous, vous pouvez très bien mettre le commandant Cousteau comme Premier ministre. Et quoi? C'est le président qui nomme le Premier ministre. Vous pouvez mettre quelqu'un de consensuel, quelqu'un qui n'a rien à voir. Vous n'êtes pas obligé de mettre le chef de file de l'opposition à la tête du gouvernement. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire si vous êtes président. Et que vous... D'ailleurs, De Gaulle l'avait dit hein, quand il avait gagné Ric-Rac dans les années 60, je crois que c'est en 67 de mémoire. Il avait dit « Dommage, j'aurais montré comment ça fonctionne. Bon, » Marine Le Pen a mis une belle énergie pour vous ce soir. Elle a dopé la tristesse des militants pour pouvoir recomposer dans les mois, les années qui viennent. Elle est inoxydable. Elle est blindée. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement fort qui résiste à toutes les tempêtes. C'est un navire insubmersible, Marine. Voilà, donc... Moi, personnellement, pour l'instant, je vois personne d'autre à sa place pour mener le camp national. Monsieur Rachid, bonsoir. Marine Le Pen battue ce soir de nouveau, avec un score beaucoup plus important qu'en 2017. Qu'est-ce qu'il a manqué cette fois-ci dans la campagne de Marine Le Pen pour arriver à cette défaite? Nous allons faire le point sur ce qu'il a manqué et sur nos forces et nos faiblesses dans les prochains jours, les prochaines semaines. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le système s'est déchaîné entre les deux tours de cette élection présidentielle. Des anathèmes ont été lancés... Les marchands de peur étaient de sortie, ont fait croire toute une série de choses qui n'étaient pas vraies sur notre projet et peut-être a effrayé une partie des Français. En tout cas, les Français ont donné énormément de force à notre mouvement politique, à Marine, en lui accordant 42% des voix. C'est considérable, c'est une progression spectaculaire par rapport à 2017. Et donc maintenant, l'enjeu, il est simple, c'est de faire en sorte qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs. Et donc pour ça, il faut que les électeurs se mobilisent aux élections législatives pour que des députés du Rassemblement national puissent porter le projet de Marine, puissent porter l'opposition nationale à l'Assemblée. Faut-il intégrer les militants, les gens de Reconquête, pour avoir
un avenir pour vous commun, pour les législatives, avoir le plus de chances possible d'obtenir une majorité au Parlement. Mais dans ce rassemblement, tout le monde est le bienvenu, évidemment, et notre mouvement politique fera de la place à tous ceux qui souhaitent s'engager à nos côtés pour défendre les intérêts des Français. Maintenant, il n'y aura pas d'accord de partis politiques, tout ça ne nous intéresse pas. Il y aura des candidats du Rassemblement national ou soutenus par le Rassemblement national dans toutes les circonscriptions de notre pays. Mais évidemment que les électeurs sont appelés à se rassembler. Beaucoup de rumeurs bruissent depuis quelques jours, depuis quelques heures, sur une possible dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, qui souhaiterait surfer sur cette victoire et ne pas attendre plusieurs semaines avant d'arriver aux échéances normales calendaires. Plusieurs responsables du RN m'ont dit qu'ils en étaient persuadés. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous partagez ? Je ne sais pas. Ça relève du président de la République et donc il est en capacité de décider. Moi, je pense à titre personnel qu'il serait utile de respecter le temps prévu par la loi pour les différentes élections. Maintenant, c'est son rôle et s'il doit le décider, il décidera. Toute dernière question très courte. Marine Le Pen, pour vous, est toujours légitime pour mener pour être à la tête du camp national pour les mois et les années qui viennent et toutes les échéances électorales qui arrivent dans les années à venir? Mais elle est plus légitime que jamais. Elle a permis à notre famille politique de progresser de manière tout à fait considérable, de passer d'une force d'opposition à une force de gouvernement. Gouvernement que j'en suis sûr, elle arrivera à nous mener un jour. Je suis arrivé sur...